Welcome to Paris, 47. Good evening, 47. Your target is a black hat hacker who goes by the handle Protagonist. He is currently in Paris with his longtime partner known as Whitecap. The two have been contracted by Dalia Margolis to execute a high-profile hack tonight. No current pictures of the target exist, but he makes use of the hacker alias Protagonist, and he often references a particular brand of cheap fruit jam available in Alabama. You will have to use this information to identify him. The clock is ticking, 47. Good luck. I've been unable to gain any information about the whereabouts of the target. However, there are reports of sudden mobile phone outages on the upper floors of the palace. Good hunting. Salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la cible fugitive réactivée de Hitman qui s'intitule The Black Hat. Donc c'est la première version sur Xbox One que je vous propose. Donc sachez que à la suite de cette vidéo, vous retrouverez donc ma deuxième version sur PS4. Donc là, je viens donc de neutraliser, comme vous pouvez le voir, l'un des gardes pour pouvoir prendre son uniforme. Donc là, je vais en attirer d'autres pour nettoyer un petit peu la zone, afin que je puisse passer tranquillement. Donc là, l'un d'entre eux devrait arriver. Je vais le neutraliser en douceur. Allez, petit bonhomme, on y va. Hop là, surprise. Hop, c'est parti. Donc on prend la pièce de monnaie, on récupère ce petit bonhomme. Voilà. Bon, par contre là, je vais faire demi-tour parce que je me suis trompé, la caisse n'est pas ici. Elle est juste là, derrière moi. Donc je vais faire la même chose, je vais attirer l'autre gars, il va en profiter pour voir l'arme à feu par terre. Donc comme je vous le disais, c'est la première version sur Xbox One. Je vais faire du coup avec mes deux versions console, je vais vous proposer deux façons différentes d'assassiner notre cible. Donc cette première version sur Xbox One, donc j'ai choisi comme point d'entrée le grenier, comme vous avez pu le constater. Au niveau inventaire, rien de spécial, des pièces de performance de l'ECA, la corde à piano et le Silver Baller de 47. Donc rien de spécial, j'ai pas voulu prendre, disons que sur la version PS4 vous verrez que je prends une seringue, mais finalement je ne m'en servirai pas. Mais bon, de toute façon pour l'instant il s'agit pas de cette version, on est sur Xbox. Donc on verra ça plus tard. Donc là, j'attends que la voie soit libre en fonction des PNJ qui peuvent venir repérer ceux qui ont un point blanc sur la tête. Ils peuvent venir repérer plus ou moins facilement. Donc là, je me cache bien. Donc c'est pareil, il va falloir que je rebouge après parce que le garde il va discuter avec son collègue, mais après il va revenir ici. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir en profiter pour neutraliser le petit moustachu là-bas. Donc on attend qu'il finisse de parler. Notre copain le chauve va faire demi-tour. Il va retourner vers ses copains de l'autre côté. Donc là, je me déplace
Hop, il a failli me voir, mais c'est bon. On arrive à côté de notre copain qui nous voit à peine. On lui balance le marteau. Paf ! Et voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc, je récupère le Bartoli qui va nous servir après. Donc lui, je le mets ici. C'est à ce moment-là, au moment où je traîne le corps, c'est à ce moment-là que notre copain le chauve revient et on le neutralise également. Comme ça, nous serons tranquilles tout à l'heure. Donc là, je prends la carte d'accès. Je reprends le Bartoli pour pas le laisser traîner. On va mettre le corps du copain à côté de l'autre, tranquillement. Voilà. Donc là, je vais m'approcher de la caméra. Ouais, je ramasse ça, mais bon, j'en ai déjà une. En m'approchant de la caméra, on va voir que je me fais repérer, mais ce n'est pas un problème, parce qu'on peut désactiver, du coup, le système de surveillance, toujours à la fois, enfin, à la fois dans le bureau, là, où il y a notre cible, mais toujours au rez-de-chaussée. Donc ça d'ailleurs, dans la version PS4, je détruirai le système de surveillance au rez-de-chaussée du palais. Mais là, je vais le faire tout simplement au dernier moment. Donc là, j'ai posé un pistolet, histoire d'attirer le garde du corps, parce que je vais balancer une pièce juste là, afin qu'il puisse sortir. Mais il va juste se pointer devant la porte, en fait. Il va voir l'arme, donc il va y aller directement. Donc ça, c'est plutôt pratique pour l'attirer, de poser une arme à feu. Voilà, donc là, il voit l'arme. Je vais fermer la porte. Hop, surprise! Motherfucker. Voilà, donc là, du coup... je vais donc... amener son corps vers les autres. Ouais, je pourrais le mettre là, mais bon, je préfère le mettre là-bas. Ça, je serais vraiment sûr et certain que personne ne le voit. Aussi bien là, les mecs derrière, que notre cible de l'autre côté. Donc là, j'essaie de faire les choses bien, je le place bien comme il faut. L'arme, on va la laisser tomber. Hop, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? On peut peut-être... ouais, on va ramasser ça. Ça, c'est pareil. On ne la laisse pas au sol. Ah ouais, le déguisement du magicien vampire. Oui, du coup, ils le mettent ça, forcément. D'habitude, il est dans la pièce, mais comme là, ils l'ont... ils ont fait une cible, forcément. Ils le déplacent ailleurs. Tac. Voilà, je vérifie que tout se passe bien, que personne n'arrive. Donc là, du coup, je vais en profiter pour ouvrir la porte et je vais attirer le collègue de notre cible. C'est celui qui a une casquette à l'envers, en fait. Donc on va voir si la pièce de performance est performante. Et ce n'est pas le cas. Mais du coup, voilà, on balance une pièce ici, comme ça, l'un des deux arrive. Et il y a un truc rigolo qui va se passer. C'est que, autant lui, il va ramasser la pièce, je balance une autre pièce, normalement c'est lui qui doit sortir. Mais en fait... pas du tout, c'est notre cible qui sort, ce qui nous arrange, n'est-ce pas? Donc du coup, monsieur sort, on ferme la porte, et comme il n'est pas tourné du bon côté, je vais attendre qu'il se retourne. Donc sur le coup, moi je l'ai maîtrisé simplement. «
C'est vrai qu'au départ, je voulais la corde à piano, mais je voulais le faire à l'intérieur. Et là, du coup, ben, ça m'a surpris qu'il sorte. Donc, du coup, dans un premier temps, je ne fais que le maîtriser. Et je lui tirerai une balle après. Une fois déguisé en costume. Mais en attendant, je vais rentrer à l'intérieur, neutraliser l'autre petit bonhomme. Et je vais détruire, enfin effacer la preuve de la caméra. Donc toi, vas-y. Hop, terminé. On n'en parle plus. Je vais d'ailleurs le cacher dans une caisse après. Ramasse la pièce, celle que t'as ramassée. Petit con, hein ? Détruire la preuve. C'est bon. Hop, en haut à gauche, preuve effacée. On est tranquille. Donc, on déplace le petit gars et on le cache là. C'est ce qui n'est pas, j'avoue, c'est pas nécessaire, mais bon. On a neutralisé les trois gardes, les deux dehors, celui qui est à l'intérieur. Donc du coup, il n'y a plus personne qui va faire de ronde. Les autres là-bas, ils restent vraiment à leur poste. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer le costume de notre copain 47. Qui est donc le costume d'hiver, que j'aime beaucoup. Très beau manteau. Ah, du coup, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai foutu du costume ? Bon, en fait, il est là. Donc voilà, on reprend notre petit costume d'hiver. Très grande classe. De toute façon, 47 a toujours la classe. Hein ? Voilà. Donc là, je fais quand même un petit peu attention parce que du coup, autant il y en a toujours un ou deux qui te repèrent quand on garde du corps, mais là, c'est carrément tout le monde. Donc faut quand même faire attention. Donc, on va attendre que l'autre parte ailleurs. Allez, dépêche-toi. Voilà, là on se dépêche, on speed. Donc là du coup, je sors le pistolet silencieux et goodbye, Owen. Mais voilà, petit rechargement qui n'est pas nécessaire, mais c'est toujours rigolo. Je trouve que c'est très stylé. Il recharge assez rapidement. Hein. Donc du coup, voilà, défi réussi, le Black Hat. Donc ça, c'est plutôt bien. Victime sans se faire repérer. Donc là, je pars en reprenant un costume du garde du corps du Sisada. Donc, donc ça, c'est plutôt pratique pour partir. Parce qu'il y a moins de personnes qui peuvent nous repérer. Là, ici, j'y vais doucement. Parce qu'il y a deux mecs. Hop, on attend qu'ils se retournent. C'est bon. Ah, j'ai fermé la porte. Bon, on rouvre la porte. Et on se taille. Et on se taille, Cassos. On se taille. On va jusqu'à la sortie. On va prendre celle où il y a l'hélicoptère. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais repasser par la salle des enchères. Je vérifie rapidement si tout va bien. Ouais, c'est bon. Allez, hop. On se casse, on sort par le balcon. Allez, vite. Ah, puis les hélicoptères, j'adore. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai tellement fait de contrats où je me suis tiré en hélicoptère. Donc voilà, ça c'est pas mal. On va juste faire attention quand même, même si on a le même uniforme. On va faire attention à pas se faire repérer par les gardes de l'autre côté de l'aile et ceux qui sont ici proches de l'hélicoptère afin de partir tranquillement.
à personne, c'est bien ce que je pensais. Donc hop, on s'enfuit. Allez, quittez la mission, c'est parti. Donc tous les défis réalisés, notre cible. Voilà, assassin silencieux, Black Hat, impeccable, ça fait plus de points. Donc voilà, c'est bon. 161 000 points, 13 minutes. Owen, protagoniste de Wagner, est décédé. Nous l'avons éliminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à tout de suite pour la deuxième version sur PS4. Allez, merci. À tout de suite. Good evening, 47. Your target is a Black Hat hacker who goes by the handle Protagonist. He is currently in Paris with his longtime partner known as White Cap. The two have been contracted by Dalia Margolis to execute a high-profile hack tonight. No current pictures of the target exist, but he makes use of the hacker alias Protagonist, and he often references a particular brand of cheap fruit jam available in Alabama. You will have to use this information to identify him. The clock is ticking, 47. Good luck. Re les amis, c'est Immortal71 Camille. Donc évidemment, toujours pareil comme la version Xbox One. Donc aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Notre ami Owen Wagner va mourir. Bien entendu. I've been unable to gain any information about the whereabouts of the target. However, there are reports of sudden mobile phone outages on the upper floors of the palace. Good hunting. Alors, le truc que je peux aussi dire, c'est que j'ai gardé la corde à piano. J'ai pris des pièces de monnaie, celles qui sont les plus efficaces, c'est le Silver Baller de l'ICA, bien sûr. Donc, donc là, dans un premier temps, non, je vais le faire après ça. Je vais aller chercher quelque chose, mais je vais le faire après. Donc là, déjà, on prend la seringue. Donc lui il est passé. Ouais. Donc il est passé. Ouais. Je pense que je vais m'en occuper de l'autre côté de celui-là. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, et je vais m'amuser à refaire tout le tour en fait, je vais aller chercher une invitation. Par contre, qu'est-ce que je... Ouais, si. Le pistolet, bah du coup je vais m'en débarrasser. Voilà. Voilà, j'ai l'invitation, donc ça c'est bon. Et du coup, dans les toilettes, on va cacher le pistolet. Voilà. De toute façon, on n'en a plus besoin. Donc ça c'est pas un problème, ça. Normalement je pense que c'est bon, je regarde quand même. Par contre, ouais non c'est bon, j'ai pas besoin de...
Bah, c'est pas ici qu'il fouille de toute façon. Donc ça c'est bon, hop. On va faire les derniers. Anyone coming through here needs a quick pat down, sir. Security measures. Just relax, you'll be on your way. Assommé, je suis pas sûr quand même. C'est un coup être dans la merde. Merci mec. Good evening, sir. Please come right through. If you need anything, please don't hesitate to ask. Alors, là on y est, ok. Donc, voilà. Donc, ça c'est bon. Hop. Donc hop, comme ça on le maîtrise aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du copain? Ah bah il est là lui. Très bien. Alors je regarde quand même s'il n'y a pas une caisse parce que... Il n'est pas fait tout à l'heure. Bon. Je suis bête, attends. Non, je vais plutôt mettre le déguisement là-bas parce que sinon ça va être un petit peu... Voilà, on va plutôt laisser notre déguisement ici. Là. Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas d'objet ici à piquer, non? Nickel.
Allez mec, vas-y. Allez, viens. Voilà. Toi, t'es pénible, toi, quand même, hein. Moi, je te le dis, hein. Voilà. Sacré emmerdeur, celui-là, quand même. Mine de rien, il nous aura pas mal embêté. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors, du coup, bon, on va faire comme tout à l'heure. Voilà. Donc ça, ça c'est bon. Je pense que... Je vais le remettre ici. Voilà, je pense que de toute façon les mecs ils voyaient pas là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, on va faire le même. On va faire le même truc. Ou alors. Ou alors non, on va tenter. Ouais, on va tenter un truc. Hop là. Alors, toi, tu nous auras bien embêté quand même. T'es gentil, mais... Ah là là. Viens donc, abruti. Voilà.
Alors, on va essayer même d'aller rechercher le costume, tant qu'à faire. Voilà, maintenant que j'ai neutralisé tout le monde. Alors, le costume de 47. Voilà. Mon petit bonhomme. Oh, c'est tellement tentant. Le coup de hache. Non. Ah, je vais chercher la hache, moi. Et voilà. Et voilà. Et on va même te laisser comme une belle merde. Allez, c'est ça. On va passer par là. Et voilà, on peut descendre tranquillement. Ah là là. Allez, on sort par la porte d'entrée et c'est terminé. Impeccable. Bah franchement, très très bonne cible, hein, ma foi. Je suis bien content d'avoir pu vous montrer les deux cibles sur à la fois Xbox One et PS4. J'espère que ça vous a plu. Tout comme moi, j'espère que ça vous a plu. Et bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao à tous. Ciao.